châssis ce e-tron concept, une nouvelle rivale pour la Tesla Model S peu de temps après le Q4 e-tron. Audi dévoile la 6 e-tron concept, qui préfigure la prochaine berline électrique de la marque. Après s'être concentré sur le SUV e-tron, la marque Zano a lancé l'e-tron GT, le porte-drapeau électrique dans le segment des berlines routières. Mais Audi se penche désormais sur des modèles plus conventionnels. Après l'Audi Q4 e-tron, c'est au tour de la 6 e-tron concept de voir le jour. Une routière aussi longue qu'une Tesla Model S à l'occasion du salon de Shanghai en Chine, où la demande pour les berlines allongées est encore importante, Audi a levé le voile sur la 6 e-tron concept. Cette étude de style affiche des lignes proches de la réalité et donnera naissance à une nouvelle berline, qui s'installera aux côtés de la prochaine génération d'Audi A6. Si sa ligne semble ramassée grâce au pavillon fuyant, la berline électrique annonce tout de même une longueur de 4,96 mètres, soit autant qu'une Porsche Taycan ou qu'une Tesla Model S. Côté style, la berline reprend les codes du Q4 e-tron, avec un regard plissé et une large calandre single frame pleine. La poupe est plus inédite avec un bandeau lumineux horizontal et un large diffuseur arrière. Une peinture solaire proof, l'appendice aérodynamique contribue lui aussi à l'écoulement des flux d'air autour de la voiture. L'Audi A6 e-tron concept profite aussi des rétroviseurs caméra alors que les poignées de porte ont disparu. Au final, le CX tombe à une valeur de 0,22. C'est à peine mieux que l'Audi e-tron GT, crédité d'un CX de 0,24. Étude de style mais aussi laboratoire technologique. La 6 e-tron concept embarque les dernières innovations du constructeur. À commencer par la livrée LED, qui renvoie les rayons thermiques du soleil afin de protéger l'habitacle contre la chaleur, et ainsi permettre de moins solliciter la climatisation, et donc la charge de la batterie. Habitacle qui, hélas, n'a pas encore été dévoilé par le constructeur. Des recharges canon et 700 km d'autonomie. Côté technique, le concept car repose sur la plateforme électrique PPE de la marque allemande, basée sur un système 800V. Elle s'équipe ici d'une batterie de 100 kWh, qui peut gagner, selon Audi, un niveau suffisant de charge pour effectuer 300 km en 10 minutes. Le constructeur précise aussi que la recharge rapide de 5 à 80% ne réclame que 25 minutes, alors que l'autonomie totale touche les 700 km. La berline électrique est animée par deux moteurs d'une puissance totale de 475 chevaux, 350 kW, pour 800 Nm de couple. Cette configuration sera réservée aux versions haut de gamme. La prochaine berline de série n'embarquera qu'un seul moteur dans les déclinaisons d'appel. L'Audi A6 e-tron concept donnera naissance à un modèle de série à partir